Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau avec de la matière, mi-abstrait, mi-figuratif. Et cette matière, pour une fois, je ne vais pas l'utiliser avec de la pâte de structure. Je vais travailler directement avec des bandes de gaz, donc des vieilles bandes de gaz. Donc je remercie tous les gens qui m'en ont envoyé. J'avais fait un petit appel aux dons. Donc des vieilles bandes que vous avez chez vous qui sont périmées et dont vous n'aviez pas l'usage. Et je vais faire une petite série de vidéos avec ces bandes. Donc je vais vous expliquer comment je vais les mettre en support sur ma toile et comment je vais pouvoir faire de jolies réalisations par-dessus. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en coton tout simplement, format 50 par 50. Vous pouvez utiliser un format différent si vous le souhaitez et du lin bien entendu. Après, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une toile en lin qui est une toile chère alors qu'on va faire tant de structures et tant de matières derrière. Ce serait un petit peu dommage. Donc je l'ai enduite avec une couche fine d'acrylique noir, je l'ai passée au rouleau. C'est une toile de récupération pour ne pas gaspiller, donc il y a des petits défauts, mais ça ne me gêne pas du tout. Et je vais vous montrer la suite. Donc là, c'est toujours de l'acrylique. Je vais prendre une micro pointe de noir et de terre de sienne brûlée. Ça aurait pu être de l'encre jaune, de l'ombre brûlée. C'est pour teinter très légèrement mon blanc, qu'il ne soit pas complètement blanc. Alors faites attention, l'acrylique en séchant a tendance à foncer d'un demi-ton, voire un ton. Donc je ne vais pas vraiment travailler quelque chose de trop foncé dès le départ, puisque il serait bien trop foncé après séchage. Je fais un mélange grossier et avec mon rouleau, je sors un peu pour ne pas que ça me fasse trop de surépaisseur. Je viens en effleurant créer des effets. Je veux avoir un fond comme s'il était un peu craquelé, vieilli. Je sèche ou sèche-cheveux. Je viens travailler une forme comme un croissant de lune. Un petit peu déstructuré. Je prends, ça peut être du Bendex de chez PBO, ça peut être de la colle vinylique. C'est donc cette matière qui va servir à coller ma gaze, ma compresse. Donc, j'enduis bien et je viens en suivant mon croquis. Poser en formant des plis. Volontairement, il y a des endroits où je vais moins mettre de colle et la trame va plus se voir, des endroits où je vais plus mettre de colle et ça va être un peu plus compacté. Je passe les compresses les unes sur les autres. Il faut que ce soit
invisible. Et quand cela me semble harmonieux, je sèche au sèche-cheveux. Je reprends un petit peu de noir avec mon rouleau et je viens légèrement déborder de manière un peu irrégulière. Je viens également un tout petit peu rentrer . Je prends un bout de mousse et avec un mélange noir et ombre brûlée, je viens tapoter. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser de manière très très délicate le couteau pour des zones qui seraient un petit peu plus lisses, ou le pinceau pour les bordures. J'utilise l'outil qui me semble le plus adapté, mais quoi qu'il en soit, je dois remplir la totalité de ma gaze. Je mets un petit peu d'ocre jaune dans du blanc, très légèrement. Sans trop mélanger. Et je viens, par petites touches, venir éclairer l'intérieur de ma zone.
je prends un petit peu de terre de sienne brûlée, un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de blanc, et je viens apporter un petit peu de chaleur sur ma structure. Je prends de l'orange et je viens créer un soleil. Je délaie un petit peu de noir et d'ombre brûlée dans du White Spirit pour avoir une texture plus fluide. Et avec un pinceau fin, je viens construire le tronc de deux arbres. Je prends mon bout de plastique d'emballage qui servait à protéger ma toile. Je pince et je tourne pour faire une petite fleur. Et je viens composer la structure feuillue de mes arbres. Avec un bout de plastique propre, je fais la même chose avec un petit peu de orange que je place sur la partie haute
lézard. Toujours avec du noir, je viens composer le corps de deux Maasai. Quand je trouve mon tableau harmonieux, j'arrête. Voilà, ce tableau est terminé et j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.